Good morning, allez, yiden, feilachen purim. L'étude sera aujourd'hui le Lunishmat, Mori de Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah bat Hana Rachel, Shlomo ben Esther, et Risha bat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, qu'on appelle 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Urayot, Perek Aleph, Mishnah Daled. Horo bet din veyada echad mehem shetaou, ve'amar lahem toim atem, o shelo haya mufle shel bet din sham. או שהיה אחד מהם גר, או ממזר, או נתין, או זקן שלא ראה לו בנים, ונקידיס כפוליר, או זקן, או שלא ראה לו בנים, או נספיק אוסווית, הרי אלו פטורין, שנאמר כאן עדה, ונאמר להלן עדה. מה עדה אמורה להלן עד שיהיו כולם ראויים להוראה? אף עדה אמורה כאן עד שיהיו כולם ראויים להוראה. הורו בית דין שוגגין, ועשו כל הקהל שוגגין. מביאין פר, מזידין ועשו שוגגין, מבין כסבא וסעירה. שוגגין ועשו מזידין, הרי אלו פטורין. On continue à avancer dans les détails des הלכות du par elem דבר של ציבור. Pour rappel, j'enlève ce truc, ça me fait stéper un peu. Hop, donc, on est dans, sur le par elem d'avar shel tzibur. C'est quoi le par elem d'avar shel tzibur? C'est lorsque le peuple d'Israël fait une faute, ce qu'on avait appelé une faute nationale, à cause du Sanhedrin Gdola. Il y avait à Yerushalayim le Sanhedrin Gdola, qui était là pour trancher les très grandes décisions. Il y avait toute une hiérarchie de différents tribunaux, jusqu'à qu'on arrive au Sanhedrin Gdola, dans les Lishkat Hagazit, et eux prenaient les grandes décisions. Si le Sanhedrin Gdola, le Sanhedrin, a permis une chose qui était interdite par la Torah, alors que c'est un issour karet, sur lequel on est passible de retranchement. Alors, si à cause de leur enseignement, le peuple d'Israël a fauté, alors ça prend un statut de faute nationale. Les individuels ne devront pas apporter eux-mêmes leur korban khatat, mais ce sera au Bet Din d'apporter un par helem d'abar shel tzibur, apporter un taureau plutôt qu'une kisba ou seira, plutôt qu'une chèvre ou une brebis. D'accord, à titre personnel, ce sera là avec tout un rituel beaucoup plus rigoureux. Ça, c'est pour la faute sur laquelle on apporte un korban. Maintenant, on continue à avancer. Dans toutes nos Mishnayot, on est en train de préciser toutes les conditions requises pour prendre la responsabilité et la mettre sur le Sanhedrin Gdola. Parce qu'il faut savoir, lorsque ce n'est pas le Sanhedrin qui s'est trompé, c'est-à-dire lorsque les conditions ne sont pas requises, alors, de nouveau, puisqu'on ne pourra pas apporter un korban national, un seul korban pour tout le peuple d'Israël, chaque individuel devra apporter lui-même son propre korban, ça dépend des fois, mais en tout cas, c'est le principe. Donc maintenant, on continue avec les conditions, et il y a la Mishnah qui nous dit comme ça, « Horu bet din », le bet din a tranché sa décision que c'était permis de manger telle graisse de l'animal, alors qu'en réalité, c'était du chélev, c'était pas du shuman, c'était du chélev. Donc, ils ont donné leur permission de manger cette chose. Mais quoi ? Veyada echad mehem shetaou, v'amar lahem toim atem. Parmi les 71 juges, il y en avait un là-bas qui n'était pas d'accord avec eux. Il leur disait, mais non, c'est faux, c'est pas possible, ça c'est du chélev, je me rappelle très bien, je sais. Et ils n'ont pas voulu l'écouter. On dit, non, pas du tout, tu te trompes. Donc du coup, ils ont tranché selon la voix de la majorité. Il y avait 70 contre 1. Donc le Bedin maintenant a publié sur tous les murs et dans tous les journaux, on a le droit de manger cette part de graisse. Mais il y avait un qui était contre ça. D'accord? Ou encore, « O shelo haya mufla shel bet din sham » Ou encore, il y avait 71 juges, mais le grand av bet din, le Rosh Yeshiva plutôt, ce qu'on appelle le mufla shel bet din, il n'était pas présent. Ouais, il y avait 71 juges, il faut savoir. Il y avait là-bas parmi les 71, il y avait toute une hiérarchie. D'abord, ils étaient tous classés. Il y avait le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Le plus grand, c'était le numéro 1. Et le plus petit, c'était le numéro 71. Le plus petit, parmi les plus grands, Kamovan, puisque c'était les 71 plus grosses têtes et Chachamim du Ham Israël, Kamovan. Mais en tout cas, donc, il y avait le 71. Mais ce jour-là, le Bedin, le Nasi, donc le Rosh Yeshiva, n'était pas là. Il n'était pas là. Peu importe, il était malade, pour X raison. Donc ils ont pris quelqu'un d'autre, ils ont dit, bon, ben venons, on va quand même trancher nous, parce que le peuple, il attend de savoir si on a le droit de manger cette graisse ou pas.
Ils ont tranché, oui, on a le droit de manger de cette graisse, mais il n'y avait pas le Rosh Hashiva qui était là. Il était par exemple malade. Et ensuite, le Rosh Hashiva est revenu quelques jours après, et puis il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, ça ne va pas la tête. Et il leur a prouvé, jusqu'à que chacun a été d'accord, qui se sont trompés, donc ils ont publié une contre... ils ont contré la publication première, et donc ils ont dit que non, telle graisse, elle est interdite. Donc, chez Loa Yamoufla, chez le Beddin Cham, au moment où ils ont permis la chose, il n'y avait pas le Av Beddin qui était là. Ou encore, troisième possibilité qui va se décomposer en plusieurs, qui va nous dire qu'en réalité, il y avait parmi les 71 juges, il y en avait un qui n'était pas apte à être juge au Sanhedrin Gdola. Il y a plusieurs conditions requises qu'on avait apprises dans Sanhedrin pour pouvoir s'asseoir au Sanhedrin Gdola, notamment ne pas être un guerre, un converti. Un converti n'avait pas le droit d'être juge au Sanhedrin, ni un mamzer, un bâtard. D'accord, qui est né d'une relation interdite, il ne pouvait pas s'asseoir au Sanhedrin Gdola, c'est particulier, il peut être tout à fait Talmid Chacham et Tzadik, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, pas s'asseoir au Sanhedrin Gdola, autant qu'un Israël n'a pas le droit de partir faire la Voda au Beth Amikdash, parce qu'il n'est pas Kohen, c'est le même principe. Au Natin, ou encore c'est un Natin, c'est une sorte de tribu qui est un peu qui est discutée, est-ce qu'elle est bien convertie ou pas bien convertie. Au Zaken, ou encore, alors là il y a un problème, comment dire, est-ce qu'il faut lire « O Zaken Shalora Alobanim » ou bien « O Zaken O Shalora Alobanim » Les deux solutions sont vraies. Le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, il écrit comme c'est écrit devant chez nous. Le Rambam dans le Yad HaChazaka, lui, il avait une autre Girsa qui disait « O Zaken O Shalora Alobanim » Le principe est le même. Deux choses, on va commencer par le dernier d'abord. « Shalora Alobanim » il avait une halakha que pour pouvoir s'asseoir au Sanhedrin Gdola, il fallait nécessairement avoir des enfants. Un homme qui n'a pas eu d'enfant, il est de nature un petit peu plus achzari, un peu plus, si on peut dire, cruel. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans Chazal, un adam dan et travero, un shaloi agia le mkomo, on ne peut prendre plus. C'est-à-dire, le fait d'être dans des situations particulières fait qu'on développe à l'intérieur de nous des midot particulières. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, il lui manque cette sensibilité de pouvoir comprendre l'autre, il lui manque un petit peu de rachmanout dans son cœur. De ce fait, il n'est pas apte à s'asseoir au Sanhedrin Gdola. C'est un peu dur à dire, ça signifie que le Chazon Ish, que mon rav, Reb Shmuel Auerbach, le pauvre, qui est niftar sans enfant, des milliers de talmidim, mais pas d'enfant, eh ben, il ne pouvait pas s'asseoir au Sanhedrin Gdola. C'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah, d'accord? Il manque quelque part, en général, parce que je sais que ce n'était pas comme ça, mais en tout cas, il manque en général d'avoir développé naturellement de comprendre un petit enfant. Il lui manque la rachmanout, un petit peu de rachmanout. Alors maintenant, ça c'est pour le Shelo Ra'al Obanim qui n'a pas eu d'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Zaken? Alors deux solutions. Soit vous dites au Zaken qui n'a pas eu d'enfant, dans ce cas-là, ça veut dire Zaken, parce que tout Chacham il s'appelle un Zaken, Zekana Chachma, ou soit vous le découpez en deux et vous dites au Zaken quelqu'un qui était Mouflag Bezikna, qui était très vieux. Quelqu'un qui est très vieux, il n'est plus apte à s'asseoir du Bedin. Selon le même principe, je crois. D'accord ? Ensuite, on continue. Zaken Vesaris. Ok. On continue. Donc, maintenant, je récapitule maintenant. On a parlé de trois situations où l'instruction du Beth Din, du Sanhedrin Gdola, n'était pas bien faite. Pourquoi ? Parce que c'était... Ça y est, il n'y avait pas tous les Dayanim qui étaient d'accord. Il y en avait un qui s'y opposait. Ou encore, il n'y avait pas le Av Beth Din qui était présent. Ou encore, il y en avait un qui était pas soul. On va continuer ensuite, on rapportera après les précisions d'où on apprend ces choses-là. Mais en tout cas, pour ces trois choses, s'il y a eu un de ces trois problèmes qui s'est présenté lorsque le Beth Din a donné son instruction, alors la Mishnah nous enseigne « Arei Elou Pturin ». Eh bien, le Sanhedrin Gdola est dispensé d'apporter son korban de par Helem Damar Chantzibour. Ce n'est pas une faute, ce sera plus considéré comme une faute nationale, si on peut dire, ce sera plutôt une faute individuelle sur chaque individu, que chacun devra apporter son korban khatat personnel, mais il n'y aura pas ici de faute nationale, en l'occurrence, parce que les conditions ne sont pas requises, c'est des lieux de psukim. En l'occurrence, la Mishnah nous rapporte un pasouk, mais ce pasouk ne va justifier que la dernière proposition chez Lo Shaya, qui avait un des juges qui était inapte. Comme c'est déduit, chez Neymar, Kan, Eda, Ve Neymar, La Alan, Eda. Comme nous dit le pasouk, il y a marqué chez nous dans le pasouk, Veim, Veim, Kola, Mishgou, comment c'est dit là-bas, Veim, Kola, Dat, Israël, Ishgou, Ve, voilà, Veim,
je le retrouve plus, on ouvrira le pasouk à la fin, de toute façon, et là-bas il y a marqué Kol Aïda, toute la Eda. Donc on apprend par Zera Shava, par juxtaposition, Nehemar Kan Eda, Venehemar Lealan Eda, qui a marqué là-bas de. À propos du Sanhedrin, Eda Matzelet, là-bas on avait appris Veshafetu Aïda, Veshafetu Aïda, qui la Eda jugera. Il y a le mot Eda ici et le mot Eda là-bas, pour les juxtaposer, nous dire de la même façon que Ma Eda Amura Lealan, Achi Yukulam Ruim Lehora'a, au même titre que pour pouvoir juger concrètement, il faut que chacun soit et un statut de Raoui Ladoun, qui soit apte à juger. Ça se déduit des Kenim que Moshe Rabbeinu a choisi, que la Torah elle a dit là-bas, Vitesu Sham Imcha, on apprend que les 71-70 juges devaient être comme Moshe Rabbeinu, Kacher, Laïdout, Meyuchasim, et tout ça, ainsi de suite. Et donc, au même titre, ceux qui jugent doivent eux aussi être Ksherim, comme Moshe Rabbeinu, c'est une première juxtaposition. Et ensuite, on recommence, on apprend maintenant de la, à propos du parallèle d'Avashat Tzibur aussi, qui a marqué le mot Eda, pour te dire qu'il faut que l'instruction qui a été tranchée par le Bedin doit être nécessairement par les 71 juges parfaitement cachés. Af Eda Amurakan, Achiyu Kulam Reouim Leora'a, au même titre aussi, il faut que la Eda qui a écrit que Kola Mishgouk, là-bas qui a marqué aussi le mot Eda, à cause de l'instruction du Bedin, il faut aussi que ce soit que tous soient Reouim Leora'a, qu'ils étaient aptes à juger les dîners des Fashot. Ça veut dire, on déduit de là en fait, entre parenthèses, que Vadaï Kof Sanhedrin, il y avait aussi des gens qui étaient, il y avait aussi des juges, des Talmid Chamim qui traînaient, qui étaient peut-être des convertis et des bâtards, ou encore des enfants qui n'avaient, des Rabbanim qui n'avaient pas d'enfants. Mais ils ne s'asseyaient pas pour trancher les halakhot en général. Parfois, il y avait peut-être des dîners mamonotes, des litiges d'argent qui venaient, et dans ce cas-là, ils pouvaient, oui, s'asseoir, trancher, parce que là, ils n'étaient plus inaptes à juger. C'est uniquement pour les condamnations à mort ou qui sont inaptes. Et de ce fait, donc la Mishnah maintenant vient nous dire, sache que pour trancher, pour pouvoir être haïav de part et l'âme d'avoir chez le tzibour, il faut avoir rempli de nouveau ces conditions. Ok ? La suite de la Mishnah, c'est un autre petit sujet, donc on va compléter ce qui nous manque ici. Là, il fallait tout d'abord déduire on avait parlé de trois situations où les conditions ne sont pas requises. Premièrement, le cas où il y en avait un qui s'y opposait. Alors, dans toute la Torah, on va d'après la majorité. Et bien, spécifiquement, pour apporter le par réel d'avoir Shel Tzibur, pour devenir, que ce soit comme une faute nationale, il y a marqué Vim Kol Adat Israël Ishgou. Kol Adat Israël Ishgou. On va prendre le passage du tourne, ça ira beaucoup plus vite. On est dans donc Vaikra Perek Dalet, Pasuk Yud Gimel. Et il y a marqué là-bas, on n'est pas dans Pasuk, c'était pas bon signe, c'est pas grave. Il y a marqué Vim Kol Adat Israël Ishgu Vener Lam Davar Me'ene Akaal. Et si tout le peuple d'Israël, là-bas il y a marqué le mot Adat Israël, Kol, tout le peuple d'Israël Ishgu, l'insistance sur le Kol Adat Israël, on fait allusion en fait au sens simple, on parle du peuple d'Israël qui transgresse, mais. Selon la Xéra Shava, le Hadat Israël fait en fait allusion au Sanhedrin. On apprend la Xéra Shava, Eda. Et donc, Kol Hadat Israël, il faut que ce soit toute la Eda d'Israël, toute l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire toute l'assemblée du Bet Din, du Sanhedrin, il faut que ce soit le 71, donc, et pas un seul qui pense le contraire, sinon on ne devra plus apporter de Korban. D'accord ? Ça, c'était pour la première source. La deuxième source, Oshaloaya Mouflesh al Bet Din Sham, qui n'avait plus là-bas la grande tête, le mouflage Abedin, celui qui distinguait de plus, donc le Rosh Yeshiva, le Avbeddin, plutôt le Rosh Yeshiva, il y avait le Rosh Yeshiva et le Avbeddin, c'est deux choses. Donc il n'y avait pas là-bas le Rosh Yeshiva, Gadol Shepen qui est le Rosh Yeshiva, il n'était plus sur place. Ça, on l'apprend sur le fait que c'est Tosfot Yom Tov qui explique qu'il y a une halakha, qu'il faut être parfaitement, avoir jugé tout. Avoir mis toutes les chances de son compte et de son pour pouvoir apporter le par Elam d'Avar Shel Tzibur, il faut nécessairement que le Bedin, lorsqu'il donne son instruction, qu'il avait mis toutes les chances de son côté, de ne pas se tromper et qu'il s'est malgré tout trompé. Or, s'il manque le moufla chez le Bedin, la grosse tête, alors il faut savoir que les décisions qu'ils vont prendre, il est possible qu'elles ne soient pas parfaites. Ils n'ont pas eu l'aval, le filet de sécurité du grand boss qui a cautionné tout ce qu'ils ont tranché. De ce fait, ce n'est pas une bonne gaga. D'accord, c'est pas une bonne faute, ça a été quelque part
C'est sûr que si on prend une décision, que ça ne va jamais être parfait, parce qu'il n'y a pas le grand Rosh Yeshiva qui leur met le tampon pour leur dire oui, c'est bon, vous faites. De ce fait, c'est plus une gigaga sur laquelle on est possible d'apporter une faute nationale, ça manque dans le caractère bien. D'accord ? Ensuite, la fin de la Mishnah maintenant, c'est très simple. Horu Bet Din, je préfère l'introduire d'abord. Comme on a vu dans le Pasuk, Vim Koladat Israel Ishgou Ve'asu, et qu'ils ont ensuite transgressé. Donc, il y a deux éléments particuliers. Plutôt, on va repartir un petit peu en arrière dans un korban chatat ragil. Un korban chatat ragil, lorsque je vais apporter une faute expiatoire, c'est parce que j'ai transgressé par inadvertance. Je n'avais pas, soit je ne savais pas que c'était assourd ce que je vais faire, soit je savais que c'était assourd, mais je pensais que ça, c'était pas inclus dans l'interdit, je me suis trompé entre deux choses en fait. D'accord, je pensais que j'étais en train de manger un morceau de gras, de viande, alors qu'en réalité, mon fils, il avait échangé le morceau de gras en mettant un bout de relève. Et donc, du coup, je n'étais pas prévenu, et du coup, je me trompais. Cette fois-ci, c'est plus une faute de Hora'a. Ouais, on en reparlera dans le Perek Bet de tout ça. Ou encore, il y a une autre possibilité. Je savais que c'était interdit, mais je ne savais pas qu'on était passible de Chiyuv Karet. C'est aussi bon à savoir. Je ne savais pas que c'était une faute tellement grave. Je savais que porter le Shabbat, c'était pas tellement kasher, mais je pensais que c'était, bon, on peut toujours. Et on ne m'avait pas dit que non, t'es chayav skila, t'es chayav karet sur ça. Donc j'avais une skila, ou karet. Dans ce cas-là, c'est pas le que j'ai fauté. Ça, c'est quand je fais une faute individuelle. Il y a quelque chose de très original qui se passe maintenant lorsqu'on parle du par Hélène d'Avar Chantzibour, du ratat national, comme on l'appelle. Alors, c'est quelque chose de très spécial. C'est qu'on déconnecte la tête et l'action. Il y a la tête, c'est le Bet Din. Eux, ils ont tranché pour moi. Et ensuite, à cause d'eux, moi, je suis passé à l'acte. Moi, vous, tous ensemble, on est tous passés à l'acte à cause d'eux. Donc on se retrouve finalement que maintenant, il faut que ce soit une parfaite jgaga, une parfaite inadvertance, que eux se trompent et que nous, on se trompe. S'il y en a un de nous deux qui ne se trompe plus, on ne pourra plus apporter de korban national. C'est le principe de la Mishnah qui va nous dire. C'est-à-dire, par exemple, comme on va le traduire tout de suite, c'est si eux, pour une quelconque raison, ils ont fait exprès de se tromper. C'est-à-dire, ils étaient bien conscients qu'ils étaient en train de se tromper, mais ils ont eu un intérêt, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont dit que vous pouvez manger cette graisse. Vous pourrez manger cette graisse. Ils nous ont tranché, on a le droit de manger cette graisse, alors que c'était une graisse interdite. Eux, ils étaient mézidim. Et nous, on a écouté les rabbanim, on ne savait pas du tout, on a fait. Donc, on s'est trompé à cause d'eux. Eh bien, puisque eux, ils étaient mézidim, alors ils ne pourront plus apporter le par Elem Davar Shem Tzibur, la faute nationale. De ce fait, chaque individuel devra apporter son korban khatat individuellement. Ça, c'est un cas. Il y a aussi le cas contraire. C'est que le Bet Din se trompe, mais que nous, on est des grands chamim. On est plus vieux qu'eux. On se souvient pertinemment que cette graisse est une graisse interdite. Nos parents l'ont interdite, nous ont transmis que c'était interdit. Mais Mishouma, pour une quelconque raison, le Bet Din, il s'entête à dire que c'est permis. Et du coup, on s'est dit, bah allez, venez, vous savez quoi, le bedin il permet, il y a un tampon cachère, on sait que c'est du halouf, on sait que, mais le bedin il a mis son tampon, on leur dit, ouais, ben mec, je peux manger ça, ils m'ont dit, ouais, mange, et nous on sait que c'est assourd. Et on s'est mis à passer à l'acte, donc nous on est mézide, dans un cas pareil, de non plus, ils ne devront plus apporter, eux, une gigaga, le parallèle de l'Arche de Zibourg, et nous non plus, on ne devra plus apporter de corban expiatoire, puisque cette fois-ci on est devenu mézidine. Eh bien, si vous avez compris ça, c'est exactement ce qui est écrit dans la Mishnah. Horu Bet Din Shogegin Ve'asu Kol HaKahal Shogegin. Le Bet Din a prescrit que c'était permis, en se trompant par inadvertance, ils étaient Shogeg. Et ensuite, Ve'asu Kol HaKahal Shogegin. Et tout le peuple d'Israël est ensuite passé à l'acte, et s'est aussi trompé en faisant donc la faute Bet Shogeg, par erreur. Alors dans ce cas-là, Bévin part, il faudra apporter le par, le taureau, l'apporter avec l'expiatoire très particulier, de faire entrer son sang dans le Kodesh, dans le Echal. Le verset sur la parochette. Tandis que Mézidin Veasu Shogegin, le Bet Din a tranché en étant Mézid, conscient de leur erreur, c'est pas même plus une erreur, mais conscient de leur transgression, et malgré tout ils ont tranché. Et suite à leur instruction, Ve'asu Shogegin, tout le peuple est passé à l'acte, et a transgressé en étant Shogeg, par inadvertance. Alors la Mishnah nous dit, Mevi'in Kisba ou Seira, chaque individuel devra apporter Kisba, une brebis, ou Seira, une chèvre. Individuellement, ça devient un korban individuel. Ensuite, par contre, si c'était Shogegin Ve'asu Mezidin, le Bet Din, lui, s'est trompé. Par inadvertance, il s'est embrouillé, il a fait une erreur très grave.
Mais ve'asu mezidin. Nous, lorsqu'on est passé à l'acte, on savait que c'était assourd. On s'est dit, ben, Baruch Hashem, on va pouvoir manger du halouf avec un beau tonton kasher. Donc nous, on était mezid lorsqu'on est passé à l'acte. Alors la Mishnah nous dit, arei elop turin, on sera tous dispensés d'apporter un korban. Pourquoi? Puisque nous, on n'est pas. D'abord, ouais, puisque nous, on est passé à l'acte alors qu'on était mezid, alors nous, on est dispensé d'apporter le. On est passé à l'acte lorsqu'on était mezid, on ne doit pas apporter un korban expiatoire. Eux, de nouveau, eux, ils ne doivent apporter un korban que lorsqu'on s'est trompé, que lorsqu'on a été nish'an, on s'est fondé sur leur permission pour manger. Or là, on savait très bien que c'était interdit de manger, donc on n'a plus été nitabahem. Et donc on sera partout, tout le monde sera dispensé d'apporter un korban khatat. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, un pourim sameach, kol tov sera.